Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve sur Fondation pour la suite de notre partie. Alors que l'église est terminée et qu'on a mis des impôts un peu partout, il faudra qu'on en mette un peu plus, hein, bien évidemment. Commencer au niveau de la collecte, 7 sur 42, on ne sait pas exactement s'il y a énormément de collecte, mais en tout cas, a priori, bureau des impôts, fonctionne vachement plus, donc ça c'est bien. Donc gros merci quand même à celui qui m'avait dit ça à la base. Alors, des nouveaux arrivants, il y en a quelques-uns. On se met en x3 déjà, hop, 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 voilà. Un intendant de l'évêque. Offrir du pain et des herbes pour vos herbes et vos baies. Les herbes, on en a 104 seulement. Ça va être la dernière fois qu'on le fait, ça. Il va peut-être nous falloir un peu plus d'herbe. Deux herboristes apprentis, trois cueilleurs. Les cueilleurs ne sont pas mauvais, mais alors les herboristes, il va nous en falloir peut-être un petit peu plus par la suite. Quoi qu'il y a 83 repas monastiques, donc a priori c'est quand même pas mal. Repas monastiques, du pain, du poisson. Et des repas monastiques, c'est quand même la classe. C'est quand même plutôt pas mal. Un nouveau récit peut être entendu. Excellent. Excédent de matériaux de construction. Le bois et la pierre avec eux, tout est possible. Vos villageois regardent les surplus et s'émerveillent de leur potentiel. Sera-ce une église, un fort, une taverne? Ils sont excités en pensant à ce qui pourrait venir ensuite. C'est bien. Accueil des moines errants, livraison d'herbes. Hop. On va livrer tout ça. C'est vrai qu'il faut les livrer. Il faut que j'y pense à chaque fois. Ce serait quand même pas mal. Donc alors ici, on a notre... On a ça qui commence à arriver. Donc là, je vais mettre deux transporteurs. Ici, on va en mettre un mineur de plus. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Il va nous falloir... Avant qu'on puisse construire notre chef-d'œuvre... Où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est. Notre atelier. Je suis pas arrivé, il était quand même pas loin. Où est-ce que j'avais mis l'atelier de construction? Là. Non, pas toi, mais ça, voilà. Ça, on va y rajouter un atelier de sculpture. Trop loin, c'est un peu loin en effet. Bon, si on te met comme ça, a priori ça passe. Donc ça nous fera un sculpteur qui va être nécessaire pour utiliser le, enfin pour comment tailler le marbre. En faire des sculptures, parce que ici le prochain chantier de notre monastère, ça va être parce que le monastère va coûter très très cher. Donc l'idée, c'est que si on part sur un chef-d'œuvre de la sculpture de la fontaine, parce que ça il nous faut de l'or, donc on va pas mettre de l'or. Puis c'est un monastère, c'est censé être quand même relativement, il faut du fer. Alors, avant, est-ce que je peux l'importer le fer? Normalement, je peux l'importer le fer. Ressources, route commerciale, le fer s'importe. Souhaite vendre. Oui, le fer s'importe. Très bien. Très très bien, le fer s'importe. Donc on va en importer un petit peu. Là, il va nous falloir... un endroit où le stocker, mine de rien. On pourrait mettre ça ici. Alors un petit peu de stockage ici. 58 sur 200. Pourquoi j'en ai que 29 là? D'accord. Que ça monte bien. Hein. Et on avait dit qu'on allait décorer un petit peu.
Pour décorer un petit peu, pour faire monter un peu la prospérité, parce qu'on doit être à 150 avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc si je vais dans la voie commune ici, il n'y a pas grand chose, on pourrait faire des sangliers, on va pouvoir faire ça pour dépenser un peu de sous. Tiens donc, édit de promotion du travail de la pierre, les récoltes de pierre, marbre et on sait pas encore, sont augmentées 200%, les récoltes de... ça coûte cher pour pas grand chose ça. Édit commerce de gros, bonus sur la quantité de marchandises échangées de 50% provenant d'un village ayant une allégeance clergée, noblesse ou tiers état, ouais. Bonus sur les prix de négoce de moins 30% provenant d'un village en allégeance, ah ça c'est sympa aussi ça. Ça c'est pas mal. Nouvel arrivant, ouais. On ira te voir après. Donc si je regarde le tiers état, le problème du tiers état, c'est qu'on n'a pas la splendeur, en fait. Bon, après, c'est des taxes. C'est pas forcément de la décoration. Ouais, non, mais c'est pas grave. Hop. Donc certes, il y a maintenant le truc de chasse. Et il y a aussi une zone forcément de chasse. Ça, on le fera plus tard. On n'en a pas besoin exactement pour l'instant. Faut qu'on attende que ça soit fait, qu'on puisse j'ai pas mis de boulanger. Mais ce serait bien d'avoir des boulangers. Un bâtisseur pour la sculpture. Notre bailli n'a pas trouvé grand chose a priori. On a de l'or ici, mais c'est tout. D'accord. Un émissaire s'approche. Tu as prospecté du minerai aussi. L'émissaire, il arrive à pleine balle. On va lui dire bonjour. Qu'est-ce que tu nous veux ? Un astronome avisé est venu au village pour prédire le mauvais temps à venir. Il nous recommande de s'occuper. Ah, super. Ah non, c'était même pas l'émissaire, ça, d'accord. Une faveur pour la baisse. La baisse prévoit de nouveaux accords avec Northbury, mais ne peut les accueillir dans son monastère. Hein ? Tu peux pas accueillir les accords ? Jugeant que votre terre convient à l'hébergement, elle vous serait très reconnaissante d'aider son envoyé à conclure des accords en son nom. J'aurai le plaisir de machin. Accueillir les commerçants de Northbury avec une approbation supérieure. C'est bien, ça ? On essaye, c'est nouveau, on essaye. Alors, toi, toujours pas fini. Bah alors. Pourquoi donc? Voilà, alors. Déjà, bon, il n'y a pas de transport, c'est pas grave. On va avoir du fer ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bon, plus tard, on pourra avoir du charbon, mais c'est pas vraiment important. Donc on va faire marbre dans un premier temps. Voilà. Je veux dire ici que au niveau commerce... ressources, fer, il va être là, on va en vouloir. Allez, on va en mettre 15 et on va faire acheter tout au-delà de ça. Surplus de baies, ça c'est bien. Accueillir ça, accueillir les moines errants, aide aux négociations. Un nouvel arrivant, il est là. Comme t'es nouveau, tu vas aller là. Hop. Ah, donc ça va se développer un petit peu plus, ce coin-là, ce qui est cool. Voilà, ça augmente déjà la taille du terrain. Donc là, on va avoir 100... On en a un petit peu quand même, des pierres. Maintenant qu'on va pouvoir avoir du fer, on va faire pause un petit peu. Et on va se construire cette magnifique fontaine. Qui va nous permettre donc l'élément coût d'entretien du bâtiment est diminué de 50%. Ça va être bien, ça va encore gagner plus d'argent. C'est génial. Bassin octogonal, bassin quadrilobe. Si je te mets là, hop, ça c'est pas mal. Quatre foils hexagonales.
Ah, ça va coûter cher. Mais. On va quand même être bien. Influence plus 1 par semaine, mais tous les éléments construits au-dessus des constructions proches. Alors ça va être ouf. Sur un terrain comme ça, c'est pas facile. Les effets optionnels et les conditions sont aléatoires, il me semble. Les conditions, je sais que c'est aléatoire, mais il me semble que les effets optionnels sont aléatoires aussi. Ça fait partie d'un tout. C'est assez aléatoire. Pas au niveau... comment... Enfin, c'est aléatoire parmi une sélection de conditions et d'effets. Donc, si vous jouez plusieurs parties, au final, ça va toujours revenir à peu près à la même chose. Ça m'emmerde un peu de mettre quoi que ce soit dessus. Ceux-là sont cool. Mais alors ici, je pense qu'on va la laisser comme ça en fait. Parce que je vais pas mettre ça. Il n'y a pas de dame, il n'y a pas grand chose. Donc on va juste construire comme ça. Il y a au moins une statue, il y en a 4 à la base. Est-ce qu'on a besoin que ce soit si haut que ça? Pas forcément. Juste comme ça, c'est pas mal. Allez, hop. On va se construire tout ça. Et quand ça fonctionnera. Quand ça sera fait, ça veut dire que ça nous coûtait 2 fois moins cher à tourner. Parce que le manoir, on n'a pas fini de le développer. Ça, je vous le garantis. Une approbation, ils sont à 100%. Là, eux, ils sont à 85% pour l'instant. Impossible de satisfaire un besoin. Ça va. Moi, on est en satisfait. Bon, on a ce qu'il faut, là. La vache, on a niveau influence, on est pas mal. On en a 80, on peut pas faire grand-chose. À Splendeur, c'est pareil, on a un bon rang. On est quasiment au rang maximum. Mais c'est notre prospérité qui peine un peu. Et pour ça, il va falloir qu'on... C'est bon, t'as déjà ramené du fer, toi, c'est parfait. Donc tout ça se construit, c'est parfait. Il va falloir qu'on décore un petit peu. Décoration. Parce que ça, c'est de l'embellissement, voilà. Allez, on est parti pour la décoration. Voilà. De décoration ici et là, on avait nos arbres ici. Ça coûte un peu cher, mais au moins ça permet de monter un petit peu. Donc ça c'est fait. J'en ai pas mis beaucoup, mais embellissement total c'est 0,2. Le plafond d'embellissement et la population. Voilà. Ah, ça va être fontaine, cyprès, arche végétale, statue de mouton. Fontaine, embellissement 25. Bah voilà. Coûte cher. Mais ça se fait. Ça c'est embellissement 20. Arche végétale, embellissement 5. C'est mieux. C'est une petite fontaine ici, tiens. Hop. Avec des cyprès. Pas pour en mettre 15, mais... Voilà, on augmente ça petit à petit. L'intendant de l'évêque, acheter du pain, des herbes et machin. Mais les herbes, j'en ai plus des masses en fait. Ça, le problème, c'est que. Non. Le pain, il y en a un petit peu. Ça, c'est bon, j'ai mis des boulangers ici.
Il faudrait un grenier. Il faudrait un grenier. Un autre grenier. Ici. Qu'on y mette la farine. Ça serait pas mal. Niveau farine, on est toujours bon. Niveau farine, on est toujours très bon. C'est juste le pain qui manque en fait. Ça c'est cool. Aide de négociation avec Northbury. Pour l'instant, t'as 85%, ça marche. Ça, on s'en fout. Nouvel aviron. Nouvel arrivant s'approche du village. Bon là, ça nous coûte un peu cher parce qu'on est en train de faire, on est en train d'utiliser des outils et compagnie. C'est normal. Négociation de banquet. Tiens, c'est nouveau ça. L'envoyé de la baisse avait prévu de discuter affaires avec les marchands de Northbury autour d'un bon repas. Elle se demandait si vous aviez Elle se demandait si vous aviez des suggestions sur l'endroit où les accueillir. Heureusement, on a un réfectoire. L'un des vôtres accueillera le repas des envoyés. Les envoyés sont ravis, les envoyés sont dégoûtés. Parce que notre responsable de réfectoire, elle est que niveau 1. Sur un marché, parce que c'est... On va faire 50-50, marchand peu impressionné, voilà, donc. Bon. Ils sont à 60, ils restent à 65 quand même, c'est pas grave. Balance journalière moyenne. Alors pourquoi toi t'es à 65 par exemple? Commerce avec la baisse, ouais. T'as pas de luxe. Ah non, du luxe on n'en produit pas donc... Il y a du vin et tout qu'on pourrait amener au bout d'un moment mais là c'est pas le cas. Rajouter un ici, si je dis pas de bêtises, non, toi t'as pas fini encore. Donc on va attendre. Réfectoire. Le frère Pascal Ridol, il n'a pas encore monté. Faut qu'il monte de niveau. Non, c'est pas grave. On reste à 65%, donc c'est largement suffisant. Tant qu'on se tape pas un autre truc derrière. Et il pleut. Toujours très bien, ça, la pluie. Il n'y a plus d'herbe du tout en fait. Treize moines. Il y en a 13. Est-ce qu'ils bossent tout? C'est pas sûr. 13 moines, il y en a 9, 10, 11 qui bossent. Il y en a 2 qui bossent pas. On pourrait faire des herbes en plus. Si je fais construction libre et que ici j'ai quoi? J'ai non, je peux pas faire ça. Hop. Dame à la hache, tout ça non. Changer la fonction de cette partie, non. Détruire, non. Jardin monastique. Donc ça produit des ressources. Ça produit des ressources. Ça en produit pas des masses. Jardin pour herbe. On va en rajouter deux petites. On va en rajouter deux. Comme ça, nos moines pourront en faire un peu plus, vu qu'on en demande quand même pas mal.
Mauvais temps est arrivé, on avait remarqué, mandat disponible, cher. Beaucoup de sous, mais j'ai pensé 500 sur une fontaine aussi. Par contre, la fontaine est là. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau 9, un embellissement. Ouh, ça pique. Mais on est à 144, donc ça, c'est bien. Ça monte. Synthèse construction en attente d'un bâtisseur. Ouais. On a un bâtisseur ici en attente d'un bâtisseur. On va juste mettre à fond. On verra ce que ça donne. Toi, du blé pour le prévôt. Ah, du blé, on en a. 100 de blé dans les installations de stockage. Et hop. Ça, pourquoi pas. Nouvel arrivant s'approche du village. C'est bon, il est en train de tailler sa pierre, lui. Ouais, ça marche. Donc il le fait petit à petit, il fait son truc. 90 plus 60. Donc lui il apporte une sculpture. Voilà, ça arrive petit à petit. Ça, ça va mettre du temps. Mais on s'en doutait. On s'en doutait. Au moins on a une fontaine ici. On a des cyprès aussi. Cyprès qu'on pourrait. Alors, chef d'œuvre, c'est fait. Nouvel arrivant. Hop, hop, hop. Négociation réussie. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'on les a bien réussi? C'est pas sûr. On les a réussi. Oups. Comme ça. C'est juste histoire de rajouter un petit peu à droite à gauche les panneaux et machin comme ça. Hop. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Essayer d'aller chercher un tout petit peu de trucs. Ça, ça va nous coûter cher. Enfin, c'est surtout que ça va nous coûter pas mal de trucs ici. Donc, on n'a pas forcément envie. Mur. Ça, ça fait pas de décoration, en fait. C'est ça, le problème. C'est que ça fait pas de décoration. C'est joli, mais ça fait pas de décoration. De points de décoration. Et là, on a besoin de points de décoration, vraiment. On a vraiment besoin. Alors ça, on peut en mettre un ici. Il y a un mec qui s'est placé là. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc tout ce qui est décoration pure et dure, on fera ça plus tard. Hein. Bien évidemment. Là, il y a du monde. Ils sont 6 sur 6. Là, ils sont 6 sur 6. Il y a quand même pas mal de monde. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a largement la place de mettre d'autres personnes. Si besoin est... Voilà, on vous met là. Eux, ils feraient avec une petite chapelle. Hein. Ils pourraient faire avec une petite chapelle. Ce serait pas... Petite église rustique. Sachant qu'on a chapelle en tuiles. Non. Il faut une pièce, une porte. Chapelle au toit de chaume. Nef au toit de chaume. Chapelle au toit de chaume. Nef. Ouais. Pièce. Pas grand chose d'autre en fait. Bon, voilà. On en a dit une petite. Chapelle, bois incliné.
Hop. Comme ça. Pourquoi pas. Et ici. Voilà, là ça nous permet d'avoir combien de personnes, sachant qu'on peut décorer un petit peu. On peut décorer un petit peu, c'est pas un mal. Et là, ça va nous permettre d'avoir deux pièces, un clocher, 45 de capacité. Voilà. Ça augmente, on a 145, on y est presque, on y est presque. Ça augmente tout ça. On est bien. Voilà, augmenter la splendeur. Là, il va en falloir 6, ouais. Bonjour, toi, acheter du pain, des baies. Non, non. Encore assez. Je sais pas, beaucoup de baies. Par contre. Si, ouais, c'est bon. Il y a 4 mecs. Donc là, ils ont tous un taf. C'est bien. Ils sont 7 sans emploi. Même beaucoup. Mais ça marche. Donc toi, ça va. On pourrait techniquement en mettre un de plus ici. Ce serait pas un mal d'avoir un petit peu plus de sculpteurs. Ça aille un peu plus vite, parce qu'on a certains trucs qui devraient prendre un peu de temps quand même. Les mandats dispo. Hop, tu vas aller chercher ça. Le minerai. Bon, niveau thune, on est bien, c'est plus un problème. Là, c'est juste voilà, qu'on augmente la prospérité. Donc, on va être bien, on va être bien au final quand même. On devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Bon, au niveau des impôts, on récolte quand même un petit peu, donc ça devrait le faire. Ici, ça récolte bien. Je sais pas ce qui branle, hein, les récoltes. Enfin, les. Et comment nos collecteurs d'impôts. Hein, Kev, qu'est-ce que tu fous? Kev et Tara, là. Va falloir vous bouger un peu les miches. Il y a besoin de sous. Ok? Allez. Du coup, sur ça, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je pense qu'une fois qu'on aura ça construit, ça devrait augmenter quand même relativement bien. Splendeur du clergé, splendeur tiers état. Qu'est-ce qui me rapporte de la splendeur tiers état là-dedans? C'est très intéressant ça. La fontaine rapporte du tiers état, d'accord. En ce moment comme ça que je l'avais vu, mais c'est pas grave. Mais oui, ça a du sens parce que c'est des roturiers, hein, les comment. Enfin, c'est des roturiers, c'est des villageois, c'est des métiers de villageois, c'est pas des moines hein, qu'on a en statut. Donc bon, ça a un certain sens. En tout cas, on augmente petit à petit notre prospérité, ce qui fait qu'on devrait pouvoir débloquer au prochain coup. Aide aux négociations. Ça pourrait aider. Pour l'instant, on va faire ça non, parce que j'ai pas de luxe. Faudra qu'on en fasse. Mais ça, ce sera au prochain coup. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !